Et yop tout le monde, c'est Wolfie et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma tenue de Noël modée. Donc voilà, c'est j'ai fait ça parce que j'avais pas sorti la vidéo de la présentation de les nouvelles tenues de Noël. Donc j'ai fait une petite tenue modée Noël, je trouve qu'elle est assez sympa. C'est pas une tenue de ouf, mais je la trouve assez stylée pour Noël. Donc tout d'abord, il vous faudra la tenue seigneur de guerre. Donc vous allez faire la tenue pour avoir la tenue de seigneur de guerre. Arrivé ici, vous allez dans les hauts, allez dans haut festif. Ici, vous allez descendre pour prendre une tenue de la tenue que j'avais tout à l'heure. Voilà. Ensuite, vous allez aller aux chaussures. Aux chaussures, vous allez vous rendre dans les baskets et prendre la tenue et prendre les mêmes baskets que moi. Voilà. Ensuite, vous allez sauvegarder la tenue. Sauvegarder la tenue. Voilà, quand votre tenue est sauvegardée, vous allez prendre un masque. Vous allez prendre le masque comme moi de la vidéo. Voilà, vous allez prendre le masque comme moi de la vidéo. Vous allez retourner au comptoir et la sauvegarder. Ensuite, vous allez vous munir du masque du Père Noël, du chapeau de Père Noël, excusez-moi. Alors dans accessoires, et vous allez voir dans le chapeau. Voilà, quand vous aurez le même chapeau que moi, vous allez sortir dehors et vous munir d'un véhicule. Donc moi, ce sera un véhicule personnel, n'importe quel véhicule. Vous allez appuyer sur le pad, vous allez rester sur style, appuyer sur triangle. Attends, on va recommencer la manip. Donc là, ici, vous allez appuyer sur triangle, style, et vous allez aller sur la tenue de Noël. Donc quand il va rentrer, vous allez appuyer sur croix et direct vous allez ressortir et vous aurez la tenue comme moi la vidéo. Et voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je tiens à remercier le modder qui m'a fait mon lobby. Donc il est fiable. Donc si vous voulez un lobby, n'hésitez pas. Il est pas cher en plus. Vous allez aller dans la description et vous aurez le lien de son Facebook. Et voilà, c'est tout pour moi. Et donc moi je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gens.